Bonjour à tous, c'est Oscoaster. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo et regardez où on est au parc Astérix pour la réouverture des parcs en France. Ça fait trop plaisir, on a récupéré le pass ce matin donc vous devriez avoir pas mal de vidéos au parc Astérix cette saison et tout de suite on va aller rider ceci mesdames et messieurs. Allez, c'est parti. Alors là on vient de ressortir de Osiris, on l'a fait au first, il était vraiment bon, ça fait plaisir et on a eu quand même une petite panne dans la file d'attente, là il est re en panne, Pégase est en panne, Disco Bélix est en panne, donc bon on va voir comment avance la journée mais si c'est comme ça toute la journée c'est un peu problématique. Et donc là on se dirige vers la trace du rat avec une heure d'attente, le parc est bien plein. Donc voilà, on se dirige trace du rat et puis après on ira peut-être, on verra peut-être tonnerre de Zeus. Enfin, on verra bien. Bon alors, on sort de la trace et il fait mal, il vibre comme pas possible. Alors, il a toujours vibré mais là, c'est vraiment assez odieux. Là, on va se diriger vers Tonnerre de Zeus probablement parce qu'il y a beaucoup de monde donc on aimerait profiter du temps du midi pour le faire. Sorti de Tonnerre de Zeus qui est franchement pas mal, il y a des petits airtimes qui reviennent après le retrac, c'est vraiment sympa, j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça sera complètement terminé. Figurez-vous que c'est passé un truc assez fou, en gros Disco Bélix était fermé depuis ce matin et du coup on a décidé de bouffer ici sur ce banc qui est juste là. Alors maintenant c'est plein,
Mais quand on a mangé, c'était vide, complètement vide. Et c'était fermé. Et donc on a mangé quoi, 15-20 minutes. Et au moment où on finit, on allait se lever, ça réouvre. Et donc on a pu faire Disco Bélix avec 0 minute d'attente. Alors que là, il doit probablement déjà y avoir une bonne heure. Donc c'est super, on va pas s'en plaindre, c'est génial. Pégase a rouvert, Disco Bélix vient de réouvrir, donc bon. C'est pas mal malgré le fait qu'ils étaient fermés. Ouais. L'après-midi commence mieux que la matinée. Là on va se diriger probablement vers Goudurix ou Pégase. Bon du coup on est arrivé sur Goudurix. Et devinez quoi, attraction fermée, problème technique. Enfin encore, entre deux, Disco Bélix a refermé. On a vraiment eu de la chance. Voilà, on a eu beaucoup de chance. Enfin bref, c'est quand même un merdier. Là on va se diriger au Splash, il y a un quart d'heure et il fait quand même pas mal chaud. Donc on est parti. Bon, on sort du Splash, on a été bien trempé. Surtout aux fesses, effectivement. Et donc là, du coup, on se dirige vers Pégase, qui a une heure. Entre-temps, Goudu a réouvert. Goudu a réouvert, et donc je pense qu'après Pégase, on ira faire Goudu. Voilà. Ouais, mais là, on va aller sécher un peu parce que je suis trempé, j'ai tout pris sur le flanc gauche. Bon, on sort de Goudu. C'est toujours une joie hein, de le faire, Goudu, évidemment. Et là, vous voyez où on est pour le dernier ride de la journée. On retourne à Osiris. Et je préfère finir la journée là-dessus, clairement. Bon, et bien c'est ainsi que s'achève cette journée au parc Astérix sur un rail d'Osiris à plus de 18h. Il était bouillant, bien intense. On imagine même et pas ça en fait nocturne. Et ça fait extrêmement plaisir de le retrouver dans ces conditions là. En plus, il fait beau, un petit soleil de fin. Bon, un petit détour quand même sur la journée, beaucoup de pannes.
quand même problématique. On a fait Gaz Express et Disco Bélix qui ont été fermés jusque midi et 14h. Donc ça a un peu entaché l'expérience. On a perdu facilement 40 minutes dans la file de Pégase exactement parce qu'il y avait des problèmes techniques. Ouais, il va falloir roder ça parce que toute la saison comme ça, ça va être compliqué. On va mettre ça sur le dos de la réouverture. Et on va voir si ça s'améliore. Évidemment, je serai de retour dans les prochaines semaines au parc Astérix. Je vous referai une vidéo. Désolé pour les petits peut-être soucis techniques, le son, etc. C'est ma première. J'espère que vous serez assez indulgents. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne matinée, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et un petit pouce bleu. Et je vous dis à plus tard.